Chers frères ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je me nomme Éminence Maréchal Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal, l'infatigable. L'infatigable, celui qui a compris en tant que serviteur de Dieu que son devoir sur terre, c'est de défendre les pauvres, les orphelins, les misérables. Celui qui a compris que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour qu'il soit la voix des sans-voix. Jésus a passé son temps à s'occuper des pauvres, des malheureux, des aveugles, des boiteux.
On n'est pas serviteur de Dieu pour vivre dans le luxe ou entretenir un bâtiment. On n'est pas serviteur de Dieu pour être dans le confort, prendre de l'argent, des enveloppes et faire croire aux gens qu'on sert Dieu. J'ai compris que je suis un sacrifice. J'ai compris que si je suis sur cette terre, c'est pour servir Dieu, mais servir Dieu pour les hommes. Servir Dieu pour mon ventre ou ma personne, mais servir Dieu pour les hommes. Et donc, vie à l'Éternel, j'ai décidé de me consacrer à lui pour mon prochain. Je peux subir tout ce qu'il faut, être jugé. Je suis dans une guerre, je suis dans un combat contre le diable, contre Satan, contre les leur prochain. Je n'admettrai jamais qu'on tue son prochain. Je n'admettrai jamais qu'on tue son prochain. Et je n'admettrai jamais qu'un roi, qu'il soit un roi, qu'il soit un prince, qu'il soit une autorité de n'importe quelle forme, tue des gens à cause de son ventre et son règne. Je suis pour la justice. Je suis pour la vérité. Je suis pour la paix. Je suis pour l'amour. Famille. Et la paix, comportement, c'est un mot. La paix, c'est la vivre soi-même et la donner aux autres. Et lorsqu'on n'est pas en paix, on amène la guerre dans la vie des autres. Dénoncer, ce n'est pas inciter les gens à la haine. Dénoncer, ce n'est pas amener les gens à s'entretuer. Dénoncer, c'est prévenir, c'est guérir, c'est soigner. Parce qu'il y a des pauvres, des victimes qui n'ont pas d'avocat. Ils n'ont personne pour parler en leur faveur. Ils n'ont personne pour crier en leur faveur. Ces personnes qui sont pauvres, ces personnes qui perdent leurs parents, ces personnes qui sont en train de pleurer, qui les défend? Qui parle d'eux? Qui s'occupe d'eux? Qui se souvient d'eux? Il faut qu'il y ait une bouche. Il faut qu'il y ait quelqu'un un jour qui élève la voix pour dire, ne tuez pas les pauvres, ne tuez pas les malheureux. Je vous salue tous, chers frères et sœurs. Je vous salue les Africains, je vous salue les Ivoiriens, je salue tous les chrétiens et les musulmans qui sont sur mon direct, même ceux qui ne m'aiment pas, je vous salue quand même. Je vous demande de mettre énormément de likes, de mettre des likes sans mesure sur ce direct et de le partager. Nous sommes sur terre, nous sommes de passage. J'ai une trace à laisser sur cette terre. Je préfère qu'on dise un jour, cet homme a défendu son prochain avant de mourir, que de dire, cet homme a tué son prochain. Je préfère qu'on dise un jour, ce monsieur a risqué sa vie pour ses ennemis, que de dire, pour des criminels, contre des criminels, que de dire, cet homme a pris de l'argent, il a mangé, il s'est enrichi sur le dos des pauvres, des malheureux, des orphelins, des veuves. Je refuse cela. Je refuse cela dans ma vie. Même s'il me faut un morceau de pain sec et que je dorme sur des cailloux, je préfère cela que de livrer mon âme à Satan et de voir mon prochain mourir sans ouvrir ma bouche. Une personne vient dire, ah, n'incitez pas à la haine, n'incitez pas à la haine. Mais ce n'est pas moi qui incite à la haine. Ce n'est pas moi qui dis aux gens, prenez des machettes pour aller tuer vos prochains. Ce n'est pas moi qui donne des fusils et des armes à des gens pour aller brûler des villages. Ce n'est pas moi qui incite à la haine. Au contraire, je dénonce la haine. Je dénonce la mort des innocents. Je dénonce qu'on tue les autres. Et d'ailleurs, j'ai décidé de créer un mouvement. Je vais créer un mouvement que je vais faire établir ici en France qui sera connu sur le plan mondial. Et ce mouvement, je vais le créer pour la Côte d'Ivoire et si d'autres pays veulent participer, ils participeront de leur manière. Mais ce mouvement, je l'avais déjà un jour annoncé, ça sera la voix des sans voix. Je veux parler pour mon prochain. Martin Luther King a parlé pour son prochain. Jésus-Christ a parlé pour son prochain. Élie a parlé pour son prochain. Élisée a parlé. Ézéchiel a parlé. Daniel a parlé. Moïse a parlé. David a parlé. Dieu aime qu'on s'occupe de son prochain. Et je suis serviteur de Dieu.
Et je reconnais même que je suis un vrai serviteur de Dieu. Je reconnais même que je suis parmi les vrais. Je reconnais que je suis parmi ceux qui disent la vérité, la vérité, la vérité et la vérité. Aujourd'hui, la vérité dérange. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Ils veulent qu'on se mette tous derrière le mensonge. Ils veulent qu'on se casse tous derrière le mensonge. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre dans le mensonge parce qu'ils ont une conscience. Et moi, je tiens à ma conscience. Ma conscience est la seule richesse que j'ai. Je peux aller en prison, je peux mourir, on peut même m'achever. Mais ma conscience reste tout ce que j'ai au plus profond de mon cœur. Ce que je protège, c'est ma conscience. Que Dieu vous bénisse. Alors, Monsieur Rodrick, le marabout, je vous bloque. Ici, dans ce direct, j'ai pas besoin de marabout. Moi-même, je suis plus que marabout. Donc, marabout fait pas sa politique chez moi ici. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous sachiez une chose. Likez et partagez le direct. Aujourd'hui, je vais parler à la France. Je vais parler à Emmanuel Macron. Je vais parler aux Dioula. Je vais parler aux musulmans. Je vais parler encore aux forces de l'ordre. Aujourd'hui encore, je vais ouvrir ma bouche. Vous pouvez m'insulter. Hier, il y a eu près de 100 personnes qui ont insulté et qui ont mis des têtes de mort. J'ai partagé leurs photos. J'ai partagé sur Facebook pour que ceux qui les connaissent sachent qu'ils font partie de ceux qui admettent qu'on tue leur prochain. Je l'ai fait hier. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis là. Je vais parler. Demain, je parlerai. Après-demain, je parlerai. Jusqu'à ce qu'un jour, j'aille à l'Élysée pour parler. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois devant Emmanuel Macron pour parler. Je demande à mes administrateurs de me bloquer toutes les têtes de mort. Ne les laissez même pas. Bannissez-les de la page. Bloquez-les. Ça, ce n'est pas mon travail ce matin. Faites-le. Moi, je m'occupe de mon direct. Hier, il y a une dame. Pendant que j'étais en direct, j'étais là hier et on m'a interpellé de Beaunois. Quelqu'un m'a interpellé de Beaunois en me disant, « Bishop, s'il te plaît, crie pour nous. » J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant-hier, ils ont cassé le tibia de quelqu'un. Hier, ils ont éventré une femme. Aujourd'hui même, ils ont tiré dans le ventre d'un jeune. Cette nuit encore, ils ont décidé de venir chez nous à Beaunois. Ils ont décidé de venir chez nous à Beaunois. Et nous avons mis un corridor. Nos femmes sont dans une... On a rassemblé des gens quelque part. Nos jeunes sont en train de faire la garde. On ne dort pas. Bishop, on est livré à nous-mêmes. Il n'y a pas de policiers pour nous protéger. Il n'y a pas de gendarmes pour nous protéger. L'armée n'est pas là pour nous. Au contraire, ce sont des hommes en treillis qui viennent tirer sur nous. Ce sont des microbes qui rentrent pour nous tuer. Hier, quelqu'un m'a appelé de Beaunois. Quand j'ai entendu ça, il était 1h15 du matin. Je me suis levé. J'ai dit, il faut que je réagisse. Et je faisais un direct pour dire aux gens de ne pas tuer leur prochain. Et pour dire aux gens de ne pas aussi se laisser tuer. Il y a une dame qui m'a appelé avec un numéro masqué. Elle était très impolie. J'étais en train de parler. Elle appelle. Elle n'a pas fini d'éduquer ses propres enfants. Elle n'a pas fini d'éduquer ses enfants qui prennent machette pour aller tuer les gens. Elle n'a pas fini de s'éduquer elle-même. Cette femme-là, elle m'appelle. Et puis, elle me laisse. Elle commence à parler. Elle commence à blablabla. Je l'ai insultée. Je le dis haut et fort. D'ailleurs, je ne l'ai pas bien insulté. Je l'ai insulté. Je l'ai vraiment insulté. Je pense même que je ne l'ai pas bien insulté. Je l'ai insulté pour que ça rentre dans son corps. Et je suis fier de l'avoir insulté. Je ne regrette même pas d'avoir insulté cette femme. Si c'était à refaire aujourd'hui encore, je vais le refaire, je vais l'insulter. Cette femme, ce n'est pas une personne normale. On te dit qu'on est en train de tuer des gens, d'égorger des gens. Au lieu de lancer un message à ceux qui tuent les gens, c'est celui qui est en train de prévenir à qui tu viens ouvrir ta bouche et tes dents pourries. Donc, femme, si jamais tu suis mon direct encore,
Je t'ai bien insulté et je rébisse mes injures 100 fois, 90 000 fois. Tu peux aller te plaindre où tu veux. Tu as compris? Cette injure s'adresse à ton mari, à ta famille, à tes enfants, à tous ceux qui t'ont mis au monde. Je suis fier et ça, ce n'est pas mon problème. Lorsque vous dites, un pasteur ne doit pas ouvrir sa bouche, un pasteur ne doit pas parler, un pasteur ne doit même pas mettre sa bouche dans ces choses. Écoutez-moi très bien. Allez-y en Israël. Pendant que les Juifs étaient en difficulté, les rabbins ont intervenu. Allez-y en Israël. Des prophètes ont intervenu. Des prophètes ont mené des combats pour le peuple juif. Des rabbins ont mené des combats pour le peuple juif. Allez-y en Israël, vous qui avez la Torah et vous qui avez la Bible. Le peuple juif en danger ne s'est jamais laissé faire. Je vais vous poser une question. Avant maintenant de commencer à parler, je vais vous poser une question. Oui, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Mais la question que je vais vous poser, imaginez que je suis en Côte d'Ivoire ou bien dans un pays. Il y a des criminels qui viennent avec des armes. Ils sont en train d'égorger ma femme. Ils sont en train de tuer mes enfants. Ils sont en train de ventrer tous ceux qui sont ma femme, mes enfants. D'après vous, parce que je suis serviteur de Dieu, je dois lever mes mains au ciel pour dire, Seigneur, pardonne-les. Tu nous as dit de prêcher la paix. Tu nous as dit de prêcher l'amour. Seigneur, je ne peux pas les toucher. Je ne peux rien dire. Seigneur, s'il te plaît. C'est ce que j'allais faire. Non. Si j'ai une machette, je vais prendre. Si j'ai un fusil, je vais prendre. Ce que je peux faire pour défendre ma femme, je vais le faire. Ce que je peux faire pour défendre mes enfants, je vais le faire. Parce que il est de mon devoir de protéger ma famille. Alors, sachez que quand on est pasteur, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser sa famille mourir. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser son peuple mourir. Alors, détrompez-vous et lisez autrement votre Bible. Ce que je vous dis est très important. Si tu es pasteur ou tu es imam et qu'ils sont en train de tuer tes... Regardez, ils sont en train de tuer ton pays. Tu vas rester pour dire, je suis imam, je suis pasteur. Alors moi, ma Bible, je ne la lis pas comme vous. Je ne comprends pas ma Bible de la même manière que vous. Quand je lis ma Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je reconnais que les Juifs ont toujours défendu leur peuple. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est un peuple puissant. Quand il y a des problèmes, les rabbins sont dedans. Les docteurs sont dedans. Tout le peuple est levé. Donc, je vous dis quelque chose. Si vous cherchez des pasteurs qui ont des bras croisés, qui mangent, qui prennent des... Je fais partie de la vérité. Et si ma vérité à la dire, ça, il faut que vous le compreniez. Pourquoi est-ce que je vais laisser des gens égorger ma femme, mes enfants, tuer ma famille, mon peuple? Et puis je vais dire, oh, je suis pasteur. Je suis pasteur. Donc ça là, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Détrompez-vous. Détrompez-vous et détrompez-vous. Je serai la bouche qui va vous déranger. Je serai la voix qui va toujours vous déranger. Parce que Dieu est avec moi. Et Dieu est dans mon combat. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, n'a fait que mener des combats pour son peuple. Pourtant, Dieu dit, j'aime David. Lorsque le roi Saül est devenu roi, le Seigneur a dit à Saül, va m'éliminer à les Amalécites. Pourquoi? Parce que les Amalécites ont refusé. Il y avait des femmes enceintes, des bébés. Les gens sont morts dans le désert à cause d'eux. Dieu a gardé rancune. Et Dieu a dit à Saül d'aller les éliminer. Quand Saül est parti, Saül n'a pas éliminé tout le monde. Il a gardé le roi, il a gardé les veaux gras. Dieu donc a régné Saül. Donc quand on fait du mal à des gens, Dieu n'est pas content. Ça, il faut que vous reteniez ça. Que Dieu vous bénisse. Allez, mes administrateurs, toutes les têtes de mort, tous les mauvais commentaires, je ne cherche pas clients, je ne veux pas 1 milliard de vues. Toutes les têtes de mort, tous les faux commentaires, ne laissez même pas une personne. Dès qu'il a un mauvais commentaire, vous le bloquez, vous le bannissez. Dès qu'il met une tête de mort, vous le bloquez, vous le bannissez. Faites-moi ce travail.
Voilà. Ok. Je vais d'abord vous montrer des choses. Vous vous rappelez de cet enfant? Vous vous rappelez que ce sont des policiers ou des gens habillés, ont du corps habillé qui l'ont tué? Vous vous rappelez de cet enfant? Ok. Je vais continuer à vous montrer des choses avant de parler. Parce que quand on parle, vous dites bla 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 bla. Je vais vous montrer juste des choses. Voilà. On va aller doucement. Par les microbes. Écoutez, ce que ce monsieur dit, une voiture a été, un taxi a été brûlé par les microbes, ils ont des machettes à main. Tous ceux qui sont parmi les gendarmes là-bas, en civil, ce sont des microbes. Écoutez bien. Voilà les machettes à main. Les voilà les machettes à main. Donc, c'est les passages. Et c'est chaud à Beaunoir. À Beaunoir. Ils sont déversés à Beaunoir. Ils sont déversés à Beaunoir. Vous les entendez chanter? Ado puissance. Ils ont des machettes en main. Ado puissance. Ado puissance. Ils sont déversés. Bon, qui les a pris dans des voitures pour aller les mettre à Beaunoir? Qui les a pris dans des dinars pour les envoyer à Beaunoir? Qui les a donné les machettes? Il y a une armée, il y a une police, et on ne protège personne. Et eux, ils ont des machettes. Ils sont en train de découper, de tuer, de brûler. Et pendant ce temps, ils chantent « Ado puissance ». Ok. Puissance, Amaïnde, puissance. Ado puissance, Amaïnde puissance, pendant qu'il tue, il brûle. Ok, ça c'est une vidéo. Écoutez bien. Ces enfants sont en train de brûler des gens. De brûler, ont brûlé un taxi, ils ont des machettes en main. Il y a la gendarmerie qui est là. Il y a la police qui est là. Personne ne les arrête. Et pendant qu'ils font cela, ils chantent en même temps. Ils chantent le nom de celui qui les a envoyés. Ado puissance, Amaïnde puissance. Ado puissance, Amaïnde puissance. Ok. Quand on parle, vous dites ne pas parler. Écoutez.
Deuxième vidéo. Ça, c'est le marché de Benoît qui est en feu. C'est que si elle a eu le moral, Côte d'Ivoire en feu. La Côte d'Ivoire pleure. Affrontement, il y a affrontement entre Doula et puis Aboulé. C'est compliqué, quoi. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. La Doula dit pourquoi les Aboulés sont en train de marcher. Bon, on arrive à les affronter. Donc, normalement, on doit casser tous les magasins. Bon, les... Puisque... Le marché de Benoît a brûlé. Affrontement entre Doula et Aboulé. Les Djoulas disent pourquoi les Abourés ont marché. Donc voilà le problème. C'est pour ça qu'on tue les gens à Benoît. Je continue. Ils ont brûlé tous les fers de Benoît. Ils ont brûlé tout ce qui est bon, comme propriété de Benoît qui est à côté du Djoulas, beaucoup de Benoît, quoi. Donc les Ok. Je continue. Après, j'ai un audio à vous faire écouter. Ça blesse le cœur, ça blesse le cœur tout ça. Tout ce que vous voyez, même les commentaires, celui qui met ado toujours, ado temps, même celui qui insulte pas, vous le bloquez, mes administrateurs. Je ne veux même pas voir quelqu'un qui aime les gens mourir ici. Tête de mort, où il dit ado président, ado toujours, quelqu'un même qui l'est, bloquez-le. Voici les microbes là, ils ont attrapé certains. Ce sont des microbes qui ont été interpellés et ils disent qu'on les a envoyés pour tuer. C'est des microbes qui ont été interpellés à Benoît par des gens de Benoît et ces microbes sont en train de dire qu'on les envoyait pour tuer. Il y a la machette dans la main et ils les ont filmés. C'est la plus grande compagnie de transport d'ailleurs. La grande compagnie. La grande compagnie de transport à Benoît a été brûlée. Tous les cars de camions de transport sont brûlés. Tous les... Même les autres camions de la gare. Et ce qui me déplaît. Ok. Je continue. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. André, il y a une seule personne qui met les cœurs. Mettez les cœurs. Même si tu es à l'église, même si tu es au travail, mets les cœurs. La police qui tire. Vous voyez tout ça là. Vous voyez. C'est la jeune Doula. Les jeunes Doula. Non, attends. J'ai mis 20 là. Si un policier encore du Brésil, c'est un maudit. J'ai mis 20, on peut plus policier encore du Brésil. J'ai mis 20, ouais. On peut plus policier. Voilà, la vie, on peut plus ça. Ok. Bloquez la personne qui a mis un commentaire qui dit on vous dit de ne plus sortir.
sortir. Même si c'est quelqu'un qui me supporte, bloquer la personne. Voilà, comme ça j'ai agi aujourd'hui. Quand certaines personnes disent, par exemple, on vous dit de ne pas sortir. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas sortir? Qu'est-ce qui les interdit de sortir? Démocratique. On est dans un pays de droit. Mettez-moi une population contente a le droit de manifester. Ça ne donne pas le pouvoir d'envoyer des militaires, des policiers ou des gens, des mercenaires habillés en soldats. Ça ne permet pas d'envoyer des microbes que eux-mêmes ils ont élevés, ils ont nourri, les tuer. Quand vous dites, on vous dit de ne pas sortir, pourquoi ils ne vont pas sortir? S'ils revendiquent quelque chose, ces jeunes qui sont dans les rues, vous croyez qu'on les a obligés? La plupart, ils n'ont pas de travail. Mettez les cœurs, c'est une seule personne qui met les cœurs. Mettez les cœurs. Il y a une seule personne qui met les cœurs depuis là. Vous suivez le direct, vous ne mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs sur le direct. Mettez des cœurs. Donc, quand les manifestants de Ado, quand les gens d'Ado manifestent, ce n'est pas un problème. Quand Alassane Dramane Ouattara, les gens du RHDP dansent, ce n'est pas un problème. Eux, dans un pays, la télévision appartient au pouvoir. Marcher, il faut être avec le pouvoir. Revendiquer, il faut être avec le pouvoir. Tous ceux qui sont contre le pouvoir, tous ceux qui ne sont pas avec le pouvoir n'ont pas le droit de marcher. Je vous dis que le direct a attaqué, mettez les cœurs. C'est ça que je n'aime pas chez vous. Quand on prend son temps pour venir vous aider, vous êtes là les bras croisés. J'ai dit mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Et partagez massivement. Donc, vous voyez, quand on vous dit de ne pas marcher, on vous dit de ne pas sortir, pourquoi ils ne vont pas sortir? Et puis, s'ils sortent, est-ce que ça donne le droit à quelqu'un d'aller les tuer? S'ils sortent, ça donne le droit à quelqu'un d'aller les égorger, d'aller les éventrer? Moi, je ne sais pas si ça, c'est normal. Voilà. Actuellement, il y a plein de blessés à la machette à Benoît. Je vais vous faire écouter un audio et puis je vais vous faire écouter un audio. Écoutez bien cet audio, hein. C'est un microbe qui parle. Écoutez. C'est un microbe qui parle. Il n'y a même pas mangé. Tu peux me rendre à la maison, je ne peux même pas rentrer. Il dit qu'il n'y a pas mangé à Benoît. Un micro. Écoutez ce qu'il va dire. Moi, je n'ai pas rentré à la maison. Il est malaisé d'aller à la maison là-bas. Il est fou. Quel mille dedans? Ça là, c'est pas une question de mille dedans. Quand tu t'en vas, tu t'en croises un jeu, tu dis salam alaikum, il n'a pas répondu, il va aller comme salam droit, tu le coupes. Demain là, c'est ça, on commence. Écoutez, je m'arrête un peu. Il dit, ce microbe est en train de parler, il ne sait pas qu'il a enregistré. Il dit, ils doivent aller à Benoît. Je ne sais pas quand il a fait ça, mais ils doivent aller à Benoît. Et que quand ils voient quelqu'un, ils lui disent salam alaikum. Personne ne répond pas. Tout de suite là, ils vont le macheter. C'est-à-dire qu'on te voit, on te dit « Salam alaikum ». Il faut que toi aussi tu réponds « Salam alaikum ». Si tu ne réponds pas « Salam alaikum », c'est que tu es contre eux. Et puis ils vont te blesser, te tuer. Ok. Ouais. Quoi ça? Il n'y a pas route de la Javine. La gare, on a tout brûlé, la gare. Voilà. Il n'y a pas de
La gare là, on a tout brûlé la gare là. C'est un microbe qui parle. Hein. Il dit on a tout brûlé la gare. On a brûlé la gare. La gare de Bono, on a tout brûlé. Demain matin, c'est Guinzin. Mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Ok. Il dit c'est un jeu de Sama qui est mort, que ça là c'est devenu un règlement de compte. Bon. J'ai tellement de photos. Je demande à tous ceux qui sont à Bonoa et dans tous les villages aux environs, ou bien ceux qui sont dans des villages qui ont eu des problèmes, envoyez-moi des photos et des vidéos. Ok? Envoyez-moi des photos et des vidéos sur WhatsApp. Sur mon WhatsApp. Je vais faire un dossier. Je vais faire un dossier. Je vais prendre des avocats ici. Je vais faire un dossier. Je vais mettre sur pied un mouvement. Je vais adresser ce dossier à l'ONU. Je vais adresser ce dossier à la CPI. Ce dossier, hein, aux droits de l'homme. Je vais adresser ce dossier, même Emmanuel Macron qui fait comme s'il ne voit pas, je vais lui envoyer ce dossier. Et je vais créer un mouvement. Je vais essayer de tout faire. Je vais essayer de tout faire pour passer dans les médias français. Il y a au moins une télé qui va accepter que je parle. Et je vais parler de la situation de mon pays au monde entier. Parce que on va pas rester que sur les réseaux sociaux. Alors, mettez le cœur et mettez le cœur. Bloquez et bloquez. Que Dieu bénisse. Je voudrais m'adresser pour commencer. Aux Français, à Emmanuel Macron. Je vais m'adresser aux Français. Je vais m'adresser à Emmanuel Macron. Emmanuel. On vous dit, mettez les cœurs. Vous êtes là, André, vos doigts là, vous êtes handicapé. Mettez les cœurs. Voici la suite. Si les gens pensent qu'ils peuvent me décourager pas comme ça. Hein. On est dessus jusqu'à, même si je dois faire 100 000 directs, c'est vos passes d'Abidjan là, vous allez finir d'épuiser. Voilà. Vous allez épuiser tous vos passes. Fatigué. Même si je dois faire 40 directs, après je vais les coller, puis mettre sur YouTube. Donc, si vous voulez,
Je vais faire morceau par morceau jusqu'à je vais tout dire ce que je vais dire et puis je vais coller. Donc vous qui suivez là, on vous dit mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs, mettez massivement de cœurs. C'est pas ça là. C'est pas ça qui va me décourager. J'ai déjà dit une bonne partie, je vais dire la suite. Si vous faites, je coupe encore, je reprends encore, je vais coller tout et je mets sur YouTube après. Donc ça c'est votre problème, c'est vous qui vous fatiguez. C'est ma bouche, je prends pour parler, non. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va continuer. C'est la suite. C'est comme ça que ça se passe. Moi, on ne me décourage pas. Hein. Il n'y a rien qui me décourage. Il n'y a même pas quelque chose qui me décourage. J'ai remarqué hier, pendant que je parle pour le bien des gens, le profil des gens qui mettaient les têtes de mort, il y avait des fils de Makassa dedans. J'ai vu les profils, il y avait des enfants de Makassa. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Maliens, il y avait des Guinéens. Il n'y avait que des étrangers. Donc, ça me prouve que je suis dans la vérité. Mettez les cœurs, on va continuer. Alors, c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure. Moi, on ne me décourage pas comme ça. Je suis un lion. Je suis un guerrier. Je suis un lion dans l'art. On ne me décourage pas comme ça. Donc, je suis en train de vous dire que tous ceux qui ont des vidéos, des photos d'un village qui est attaqué, qui a eu des problèmes, envoyez-le moi sur mon WhatsApp. Je vais faire un dossier. Je vais envoyer ça aux droits de l'homme, à l'ONU. Je vais envoyer ça au gouvernement français, même s'ils savent, je vais les envoyer quand même. Je vais monter un mouvement qui s'appelle la voix des sans voix. Je vais continuer à parler. Je vais tout faire des démarches pour pouvoir passer dans une chaîne française, pour pouvoir parler de mon pays. Je ne m'arrête pas seulement sur Facebook. Parce que comme c'est caché sur Facebook, les gens pensent que ça va s'arrêter là. Ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas. Donc, je suis la voix des sœurs. Je suis là pour les veuves, pour les orphelins. Alors, j'étais en train de dire que je vais m'adresser à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je m'adresse à toi aujourd'hui. Depuis que tu es devenu président, la France va très mal. Les gilets jaunes le prouvent que la France va mal. Tu ne peux pas régler les problèmes de la France. Et c'est toi qui cautionnes Alassane Dramane Ouattara. Tu sais qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de tuer une partie des Ivoiriens, mais tu cautionnes ça. Tu cautionnes que Alassane Dramane Ouattara tue une partie des Ivoiriens. Tu cautionnes qu'Alassane Dramane Ouattara détruise la vie de certains Ivoiriens parce que tu as tes intérêts avec Alassane Ouattara. Emmanuel Macron, toi, et j'ai un message pour tout l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Voici mon message. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'est en 2000 combien. Oh, quelqu'un peut dire que les Français ont eu chaud en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui se passe. Vous, les Français, qui êtes en Côte d'Ivoire, vous croyez que vous êtes à l'aise. Vous croyez que tout va bien chez vous. Vous croyez que parce que si ça chauffe, la France va vous protéger. Mais ce que vous ne savez pas, Côte d'Ivoire met votre vie en donc c'est à vous de crier vers l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. C'est à vous de crier à Emmanuel Macron pour lui dire ne laisse pas Alassane Dramane Ouattara parce que nos vies sont en danger. Parce que vous savez, vous les Français, si demain on dit il y a une guerre, si demain on dit ça a pété, tout ce que vous avez fait, votre travail, vos maisons, tout ce que vous avez eu comme bien en Côte d'Ivoire, vous allez perdre pour venir vivre en France comme des SDF et des clochards. On se connaît. En Côte d'Ivoire, vous êtes des millionnaires, vous êtes des milliardaires, vous avez de grandes entreprises. Vous savez qu'il y a de l'injustice. Vous savez que Alassane Dramane Ouattara envoie des gens tuer une partie de son peuple. Mais vous fermez vos bouches
Vous êtes là, vous regardez comme si vous n'êtes pas concerné. C'est à vous les Français que je m'adresse. C'est à vous d'interpeller Emmanuel Macron. C'est à vous d'interpeller l'ONU, le droit de l'homme. C'est à vous de dire au monde entier, notre vie est en danger. Parce que quand ça va chauffer, que les gens vont et que les gens vont commencer à arracher vos voitures, vos entreprises, ne dites pas que les Ivoiriens se sont levés contre vous. Ils n'ont rien fait. Parce que vous êtes complices. Vous êtes des receleurs aujourd'hui de la mort de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne se passe pas en France. Mais vous êtes là-bas et vous faites comme si vous ne savez pas que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes des receleurs. Quand on attrape un voleur, on attrape son receleur. Emmanuel Macron est complice en Côte d'Ivoire. Parce que Emmanuel Macron est derrière Alassane Ouattara. Parce que ce qui se passe, Emmanuel Macron ne peut pas dire qu'il ne voit pas les vidéos, les photos et que son ambassadeur ne lui dit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a dit à Alassane Ouattara? Depuis la République, des militaires, des gens habillés, des corps habillés et des enfants qu'on appelle des microbes allaient tuer une population parce qu'ils ont simplement manifesté. C'est vraiment être de la dictature, être criminel. C'est de l'injustice. Il y a l'ONU qui... Emmanuel Macron, tu es au courant. Les Français qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes au courant. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Quand ça va péter, ne dites pas que les Ivoiriens vous ont tué. Quand ça va péter, ne dites pas que les Ivoiriens ont des problèmes. Parce que ça a commencé, vous ne voyez pas. Ça a commencé, vous faites comme si vous n'êtes pas dans le même pays. Vous voyez, vous les Français, vous êtes à l'aise. Il y a certains SDF ici. Il y a certains d'entre vous qui étaient des clochards. Il y a certains... Il avait 600 euros. Vous êtes parti en Côte d'Ivoire. Vous êtes devenus des millionnaires. Vous êtes devenus des hommes riches. Et vous êtes en Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'il y a de l'injustice en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a de l'injustice en Côte d'Ivoire. Vous fermez vos... L'ambassade ne fait rien. L'ambassade ne réagit pas. Vous aussi, vous êtes là. Vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Donc, chers Français, je vous lance ce message. Ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Ce message que je vous lance, c'est un message pour votre bien. C'est un message pour votre avenir. Et qui est en train de brûler petit à petit. Vous êtes dans un pays où il y a des... Mais vous vous plaisez à vivre à l'aise dans vos piscines, dans vos grandes maisons à Makori, dans vos grandes villas, vos grosses voitures climatisées. S'il n'y a rien qui se passe, l'ambassade de la France ne réagit pas, l'ONU ne réagit pas, Emmanuel Macron ne réagit pas. Quand les Ivoiriens vont se lever et que ça va devenir autre chose, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Mettez des cœurs sur le direct. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Il est temps de vous lever, Français. Je suis français comme vous, de nationalité française comme vous. Et je vous dis, il est temps de vous lever et de dire votre mot. Il faut que la communauté française en Côte d'Ivoire se fasse voir et d'accord pour l'injustice. Nous ne sommes pas d'accord pour les gens qu'on tue impunément. Nous ne sommes pas d'accord que des militaires, des policiers aillent tuer des civils. Nous ne sommes pas d'accord que des microbes aillent égorger les gens. C'est maintenant vous les Français qui devez vous mettre derrière le peuple. Le peuple se rappelle de vous et que le peuple vous protège et que le peuple dise les Français nous ont aidés pendant en souffrance. Si vous faites les aveugles, vous ne dites rien. Retombez sur vous
et ça va retomber sur vous. C'est ce que je voulais vous dire. Emmanuel Macron, il faut que la France sache que c'est toi qui encourages Alassane Dramane Ouattara à tuer une partie des Ivoiriens. Parce que si tu n'étais pas complice, déjà tu aurais réagi. Toi, Emmanuel Macron, quand Alassane Dramane Ouattara est venu dire qu'il ne sera pas président, c'est toi, Emmanuel Macron, qui a dit que c'est une bonne initiative. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara dit maintenant qu'il va faire un troisième mandat et puis on ne t'entend pas, Emmanuel Macron? Ça veut dire que c'était une stratégie. Tu étais au courant de ses plans. Vous avez fait le plan ensemble. Tu mets la France en feu et tu vas mettre l'Afrique en feu. Tu crées des problèmes en France. Aujourd'hui, les Français ici, les Français, les gilets jaunes crient. Tu ne peux rien faire pour les Français. Comme c'est l'argent de l'Afrique que tu voles. C'est l'argent de l'Afrique que tu prends pour nourrir. Déjà, vous avez pris votre coronavirus pour tuer les vieux. Pour que les gens arrêtent de... Maintenant, vous comptez sur l'or de l'Afrique. Vous comptez sur le pétrole, le café, l'EVA. Vous comptez sur notre bien en Afrique. Des sous-préfets pour déposer dans nos pays, pour nous tuer, pour nous piller et pour prendre nos biens pour venir vous donner. Emmanuel Macron, ce que je te dis aujourd'hui, c'est toi qui encourages, c'est toi qui pouvais lui dire d'arrêter. C'est vous, toi et puis Nicolas Sarkozy, c'est vous qui avez posé Alassane là-bas. C'est vous qui le soutenez. Si vous n'étiez pas derrière Alassane Ouattara, Alassane Ouattara ne aujourd'hui. C'est parce que vous le cautionnez. C'est parce que vous l'encouragez. C'est parce que vous êtes caché derrière pour le soutenir. L'ONU se trouve en Côte d'Ivoire. L'ONU n'est pas là pour les Ivoiriens. L'ONU est là pour protéger Alassane Ouattara. Ceux qui disent qu'ils sont pour le droit de l'homme, qui sont en Côte d'Ivoire, sont corrompus. Vous êtes corrompus. Vous avez des millions et des milliards pour voir des Ivoiriens mourir. Mais je suis en train de dire qu'il y a un temps pour l'homme, il y a aussi un temps pour Dieu. Et vous allez rendre compte, Emmanuel Macron, je suis venu te dénoncer aux yeux du monde que tu es un assassin, un complice. Tu es un complice d'assassinat, complice de meurtre. Emmanuel Macron, c'est toi qui pousses Alassane Ouattara aujourd'hui à tuer nos frères de Benoît, à tuer nos frères de la Côte d'Ivoire. Je suis français, je suis en France et je te le dis. Si tu n'es pas content, Emmanuel Macron, si tu n'es pas content, viens me chercher. Emmanuel Macron, je te dis, tu es un assassin et tu es un criminel. Emmanuel Macron, tu es un assassin, tu es un criminel. Emmanuel Macron, criminel. Tu encourages Alassane Dramane Ouattara à tuer les Ivoiriens. Tu encourages Alassane Dramane Ouattara à parce que tu as de l'argent derrière. Tu es un assassin, tu es un criminel, tu es un vampire. Emmanuel Macron, je te le dis haut et fort, je n'ai pas besoin de donner du respect parce que je ne donne pas de respect aux gens qui tuent pour s'enrichir. Je ne donne pas de respect aux gens qui tuent les autres pour s'enrichir. Emmanuel Macron, je te le dis haut et fort, je suis français d'origine et je te le dis, mon pays a des soucis à cause de toi. Tu es l'ami d'Alassane Ouattara, tu encourages Alassane Ouattara, tu as envoyé l'armée française pour le protéger. Il y a l'ONU qui le protège, toi-même tu le protèges et vous l'encouragez. C'est à cause de vous qu'Alassane Ouattara a le courage de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Si vous n'étiez pas derrière Alassane Ouattara, Alassane Ouattara aurait déjà lavé ses mains. Alassane Ouattara n'aurait jamais fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est parce que vous l'encouragez qu'Alassane Ouattara est en train de faire ce qu'il fait. Il sait que vous êtes avec lui. Il sait que vous le protégez. Il sait que vous l'aidez. Il sait qu'il peut compter sur vous. C'est pour ça qu'il continue. Si je l'aurais déjà... Emmanuel Macron, tu mets la vie des Français
qui sont en Afrique en danger. Emmanuel Macron, tu mets la vie des Français qui sont en Afrique en danger. Tu mets la vie des Français qui sont en Côte d'Ivoire en danger. Tu mets la vie des Français qui sont en Côte d'Ivoire en danger. Emmanuel Macron, tu mets la vie des Français qui sont en Côte d'Ivoire en danger. Je répète, Emmanuel Macron, tu mets la vie des Français qui sont en Côte d'Ivoire en danger. Vous les Français qui êtes en Côte d'Ivoire, il est temps que vous réagissiez. Vous devrez vous mettre en communauté. Vous devrez même faire une sorte de marche. Vous devrez aller à l'ambassade de France pour dire à l'ambassade de France que c'est pas en danger. Vous les Français en Côte d'Ivoire, vous devrez réagir. C'est maintenant que vous devrez réagir. C'est maintenant, n'attendez pas que ce soit tard. Parce que vous avez des biens, vous avez des trésors, vous avez des choses en Côte d'Ivoire. Ne permettez pas à Emmanuel Macron de mettre votre vie en danger. J'interpelle tous les Français comme moi qui sont en Côte d'Ivoire. Levez-vous, allez-y à l'ambassade de France. Levez-vous, dites Emmanuel Macron met votre vie en jeu. Parce que demain, c'est vous qui allez payer. Quand ça va se passer mal, tout le travail que vous avez fait votre vie. Parce que Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont mis votre vie. Allez-y à l'ambassade. Que ce message aille chez tous les Français qui sont en Côte d'Ivoire. Qu'ils sachent que je les ai interpellés. Je les ai prévenus de ne pas rester bouche fermée et de ne pas rester les bras croisés. Vous devez réagir, chers Français qui êtes en Côte d'Ivoire. Le monde ne saura pas qu'il y a un problème. Et quand ça va se passer là-bas, que vous allez fuir en brousse et qu'on va brûler vos maisons comme les années passées, on va casser vos biens, on va violer vos femmes, briser tout ce que vous avez, c'est vous qui allez perdre. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va perdre. Emmanuel Macron fait sa politique pour s'enrichir. Mais vous, vous êtes en Côte d'Ivoire, nous vous respectons. Vous êtes nos frères. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes dans et qu'il y a des problèmes dans ce pays, ne faites pas comme si vous ne voyez pas. Ne fermez pas vos yeux et ne faites pas comme si vous ne voyez pas. Il faut que vous réagissiez maintenant. Le peuple ivoirien vous regarde. Vous savez qu'il y a des morts à Bonoir, à Daoukro, un peu partout, à Bangourou, partout dans la Côte d'Ivoire. Vous êtes au courant. Vous vivez les faits. Vous êtes sur le terrain, sur la terre ivoirienne. C'est quelque chose que vous vivez là-bas. C'est à vous de dire à l'ambassade, on est en danger. Parce que quand ça va chauffer, ça va retomber sur nous. C'est nous qui allons tout perdre. Donc, interviens. Dis à Emmanuel Macron de calmer. De dire à Alassane de baisser les bras. Ce n'est pas parce que des gens marchent qu'on doit les tuer. Ce n'est pas parce que des gens revendiquent qu'on doit les tuer. Ce n'est pas parce que des gens disent qu'ils ne veulent pas un troisième mandat qu'on doit les tuer. Je vous ai prévenu. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Le jour où vous allez fuir et que vous allez commencer à prendre des avions, laisser tous vos bagages en Côte d'Ivoire, le jour que vos maisons sont brûlées, votre trésor en Côte d'Ivoire, comme ça s'est déjà passé, c'est ce jour-là que vous allez comprendre qu'on vous a prévenu. Mais vous n'avez rien fait. Si tu es ivoirienne et que tu vis avec un Français, donne-lui ce conseil. Si tu es ivoirien, que tu vis avec une Française, donne-lui ce conseil. La communauté française doit se lever en Côte d'Ivoire pour dire quelque chose. La communauté française doit aller à l'ambassade, obliger l'ambassadeur d'intervenir. La communauté française doit aller à l'ambassade pour interpeller Emmanuel Macron. Français, et sur les médias, pour que les Français qui sont en France sachent que les Français qui sont en Côte d'Ivoire sont en danger. Je vous ai prévenu, que Dieu vous bénisse. Je vais m'adresser maintenant au Djoula. Il y a des gens qui disent, des Djoula dedans. Il y a des gens qui disent, ne dites pas que c'est les Djoula. Il y a des gens qui disent, ne dites pas que les Djoula ont fait ceci. Ne dites pas que les Djoula ont fait cela. Hier, j'ai fait un direct. J'ai dit aux imams,
J'ai dit à nos frères les Doulas, nous sommes des frères, nous vivons ensemble depuis des années. Ne laissez pas les politiciens nous diviser et ne laissez pas les politiciens mettre la vie de la communauté Doula en danger. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un danger pour mes frères Doula. Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre Doula en danger. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, toutes les vidéos que tu regardes, on dit ce sont les Doula. Ceux qui viennent insulter ici, ce sont des noms Doula. Ceux qui laissent des têtes de mort, ce sont les Doula. Têtes d'injure, ce sont les Doula. Les gens qui sont découpés disent que ce sont les Doula qui les tuent. Les gens qui ont des maisons brûlées disent que ce sont les Doula qui les tuent. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Si Alassane Dramane n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer pour la communauté des Doula? Les Doula sont nos frères. J'aime les Doula. Je ne suis pas contre les Doula. Mais il faut que nos frères Doula, même ceux qui sont du RHDP, réagissent et qui disent c'est du feu que vous allumez pour nous, pour nos enfants, pour plus tard. Parce que celui qui a vu sa maman brûler va garder rancune. Celui qui a vu sa maison brûler va garder rancune. Celui qui a vu son frère découpé va garder rancune. Et puis un jour, si la chasse aux Doula commence dans ce pays, qu'est-ce que vous allez faire? Vous croyez, vous voyez, dans ce monde-là, on dit la roue tourne. C'est-à-dire que deux fois, tu crois que tu as gagné, mais ça te revient. Tout ce que tu as semé là, tu vas récolter. Quand tu fais le bien, ça t'attend devant. Quand tu fais le mal, ça t'attend devant. Je voulais dire aux gens qui sont au RHDP, ne croyez pas que vous êtes forts. Ne croyez pas à vie. Vous n'allez pas payer. Ce que je suis en train de vous dire, faites attention. Les musulmans, les imams, mes frères Doula, même si tu es du RHDP, interpellez vos frères. Dites-les, s'il vous plaît. Ne mettez pas votre bouche dedans. Le nom des Doula est en train de se gâter petit à petit. Les gens disent, les Doula sont venus nous tuer. Ben, quand ils vont là, ces Doula, ils parlent. Quand ils vont là, ces Doula, ils parlent. Et puis ils disent qu'ils sont venus pour ado. Ils ont machette en main. Vous voulez que les gens disent quoi? Donc vous-même les Doula là, tu es de Benoît à se protéger pour que demain, les aboureux de Benoît disent, on a nos frères Doula qui sont ici là. En tout cas, ils nous ont aidés, ils nous ont protégés. Vous êtes des Doula, vous êtes à côté d'une ville où il y a des problèmes. Vous les Doula là, vous devrez aller les aider parce qu'il y a longtemps vous vivez là. Vous êtes en communauté pour que demain ces personnes disent non, nos frères Doula d'Abangourou, nos frères Doula de Gagnoua, nos frères Doula de Daoukro, nos frères Doula de Benoît ne sont pas dans ces bêtises. Ils nous ont aidés. C'est d'autres personnes qui sont venues nous détruire. Je vous dis, c'est des conseils que je continue à s'entendre. Il ne faudrait pas que demain, l'histoire de Baoulé, Doula, Bété, Nord, Sud, tout ça continue demain. Aujourd'hui là, le problème c'est une seule personne qui est en train de nous tuer nous tous. Une seule personne. Alassane Ouattara va nous mélanger nous tous. Il va nous mélanger nous tous. Demain, Alassane n'est pas là. Ce sont nos parents Doula qui vont payer. Parce que les gens, toutes les vidéos que tu vois sur Facebook, c'est les Doula qui nous chassent en brousse. C'est les Doula qui sont en train de nous découper. C'est les Doula qui sont en train de nous brûler. Toutes les vidéos qui passent, on parle de Doula. C'est à vous qui êtes du RHDP Doula. Vous qui êtes du PDCI Doula. Vous qui êtes des Doula au pays. Parlez, s'il vous plaît. Parlez. Je dis ça pour votre bien. Je ne dis pas ça parce que je suis contre. Je vous dis, faites pardon, faites attention.
pour ne pas que demain, il y ait un problème. Parce que ça peut être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, même dans cinq ans ou dans dix ans. Ça risque de devenir un problème. Les gens diront, les Goulas nous ont tués. Les gens diront, les Goulas nous ont découpés à cause d'Alassane. Et c'est quelque chose qui va retomber sur vous. Pourtant, ce ne sont pas tous les Goulas qui le font. Pourtant, il y a des Goulas au PDCI. Il y a des Baoulés au RHDP. Il y a des Goulas au FPI. Hein? Les partis politiques sont mélangés de tous les ethnies. Mais pourquoi pour un parti politique, des gens peuvent aller tuer des gens? Et je lance ce message à tous mes frères Goulas. C'est par amour. C'est par amour que je vous préviens. Les gens sont en train de citer votre nom partout. S'il vous plaît, si vous savez que vous n'êtes pas dans l'histoire, vous-même là, allez-y aider aussi les gens. Oh, laissez les portes là. Allez-y aider les gens. Allez-y aider les gens. Vous-même, allez-y aider les gens. Si tu es dans une ville, il y a la communauté Goula. La communauté Goula n'a qu'à aller se joindre à la communauté Baoulé pour les aider. La communauté Goula n'a qu'à aller se joindre à la communauté pour les aider. Pour que demain, ça soit un amour, un souvenir. Et que demain, ils disent, nos frères Goula nous ont donné un exemple. Mais si vous restez là, les gens vont mettre tous les Goulas dans le même sac. Alors que c'est vous les commerçants. Alors que c'est vous qui avez le transport. Alors que c'est vous qui avez beaucoup de commerce au pays. Est-ce que vous aimerez? Pardon, votre Alassane n'est pas là. Il y a encore un conflit entre Goulas et d'autres Ivoiriens. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, ces jeunes-là, dites-les de ne pas faire ce qu'ils font. Parce que c'est Alassane. Mais Alassane ne va pas rester éternellement. Alassane là, il va mourir un jour. Alassane là, il ne sera plus là un jour. Mais vous, vous êtes toujours dans le pays. Le pays là, c'est votre pays. Vous avez des mosquées. Vous avez fait des enfants, des petits-enfants. On est des frères. On a grandi ensemble. On est allé à l'école ensemble. On a tout fait ensemble. Donc il faut que les Goulas maintenant se lèvent. Parce que votre nom est en train d'être gâté. Il faut que vous vous levez pour montrer aux gens, pour dire non, nous on n'est pas dedans. Quand vous voyez des microbes qui vont tuer des abourés, vous les Goulas aussi attrapez-les puis frappez-les. Quand vous voyez des microbes qui vont tuer des baoulés, vous les Goulas qui êtes là, attrapez-les et puis frappez-les. Quand vous voyez des microbes qui vont à Bangourou, vous les Goulas qui êtes dans le coin, attrapez et puis frappez. Les gens vont commencer à changer de langage. Et puis les gens vont dire, ah, ce n'est pas tous les Goulas. Peut-être que ce sont des étrangers qui se sont fait passer pour des Goulas. Ce sont les microbes qui se faisaient passer pour des Goulas pour nous tuer. Je le dis pour par amour, mes frères. Vous êtes mes frères. Je le dis par amour. Je le dis parce que je n'ai rien contre le peuple Goula. Je n'ai rien contre le Nord, contre un musulman. Nous sommes tous des frères. Ce que je souhaite, c'est que tout ça s'arrête un jour. Ce que je souhaite, là, j'ai voulu bloquer quelqu'un, mais je vais le faire ici. Ce que je souhaite, toutes ces choses restent derrière nous. Et que de la manière, et que au temps d'Oufoué, on était ensemble, on vivait ensemble. Mais regardez l'atmosphère dans le pays. Est-ce que l'atmosphère du pays ressemble à ce que nous avons vécu? Regardez l'atmosphère dans le pays. Est-ce que l'atmosphère du pays ressemble à ce que nous avons vécu avant? Non. Il y a des vidéos. Ils ont pris le nom des Goulas. Ils disent, vous les Goulas, prenez une machette. Si vous voyez un corps, un baoulé, découpez-le. Vous avez vu les vidéos passer, non? Ceux-là, vous n'allez pas leur dire qu'ils incitent à la haine. Mais c'est nous qui venons pour prévenir. Parce qu'on n'est pas RHDP, vous venez toujours nous dire qu'on incite à la haine. Mais les vidéos qui sont sur la toile, où les gens disent, vous les Goulas, levez-vous, allez-y égorger. Est-ce que vous vous êtes levé contre ces personnes pour dire pourquoi ils ont dit ça? Est-ce que vous avez fait des vidéos pour leur dire non, ne mets pas le nom de Goulas dans tes affaires? Je n'ai vu aucun Goulas qui s'est levé quand les gens ont fait des vidéos
pour prendre votre nom, pour dire les djoulas, allez-y découper. Il n'y a pas un djoula qui a eu le courage de se lever pour dire non, ne prends pas le nom des djoulas pour mettre dans ton histoire parce que ça va nous retomber dessus un jour. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. C'est par amour pour vous. Il y a des baoulés qui ont fait enfant avec djoula. Il y a des djoulas qui ont fait enfant avec bété. Il y a des bétés qui ont fait enfant avec des frères du Nord. Regardez l'atmosphère au temps du fouet. On était tous tranquilles. Est-ce que c'est cette atmosphère que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que c'est cette atmosphère que vous voyez aujourd'hui? Et c'est pour cette atmosphère-là que je crie. Je veux que nous retournons dans l'amour. Je veux que nous retournons dans la paix. Mais le problème qui se pose, c'est que Ado n'est pas un homme de paix. Alassane Dramane Ouattara n'est pas un homme de paix. Parce que c'est lui, étant président pendant 10 ans, qui aurait dû faire des messages de paix. C'est lui qui aurait dû réconcilier les Ivoiriens. Mais il a manipulé les musulmans. Il a fait croire aux musulmans et aux gens du Nord qu'il est avec eux. Mais il les utilise comme des pions de dames, juste pour battre sa campagne et pour régner. Mais le jour, il ne sera pas là. Ce sont ces personnes qui vont payer. Or, avant qu'Alassane Ouattara ne vienne, on était unis. On était dans l'amour. Tout ce que nous faisions était bien. Il y a des gourous musulmans, il y a des baouleux musulmans, il y a des bétés musulmans. Être musulman, ce n'est pas être djoula. Être musulman, c'est une affaire de foi. Je suis pasteur. Si aujourd'hui, je décide d'être musulman, je deviens musulman. Je vais à la mosquée et je deviens musulman. Donc, être musulman, ça ne veut pas dire être baoulé, être bété. N'importe quelle race peut être musulman. Mais pourquoi aujourd'hui, vous allez laisser des gens vous mélanger? Vous allez laisser les gens laisser un titre sur vous pour dire que c'est vous qui tuez. Ils ont fait ça en 2002. C'est resté collé sur vous. Aujourd'hui encore, Alassane, à cause de son troisième mandat, est en train de vous manipuler. Il est en train de vous manipuler. Il ne vous aime pas. Alassane Dramane Ouattara n'aime pas nos frères du Nord. Il n'aime pas nos frères musulmans. Il n'aime pas nos frères djoula. Il les manipule. Il a pu les avoir pour les manipuler. Donc, si vous n'avez pas compris, demain, c'est vous qui allez payer. Mes frères djoula, mes frères musulmans, deux fois je m'énerve, je fais mes directs. Deux fois je m'énerve, je crie, mais je suis rempli d'amour et j'aime mon prochain. Je ne suis contre aucun musulman. Je ne suis contre aucun djoula. Même ceux qui sont du RHDP, ce sont mes frères. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans un parti politique qui n'est pas mon frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est FPI qui n'est pas ton frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est PDCI qui n'est pas ton frère. Mais est-ce que dans l'islam, on vous a dit de vous lever et de tuer des gens à cause d'un homme? Si vous tuez même à cause de Dieu, je vais comprendre. Si des gens attaquent votre religion, que vous tuez à cause de Dieu, je peux comprendre. Mais à cause d'un homme, d'un mécréant, un être humain qui mange comme vous, qui dort comme vous, qui va mourir un jour, vous vous levez, vous oubliez le Coran, vous oubliez tout ce qui est enseigné dans le Coran et vous partez tuer vos frères. C'est au nom de qui que vous tuez? Quand vous allez à la mosquée le vendredi, votre conscience est comment? Quand vous allez faire les ablutions, vous faites la fatia et que vous priez, que vous dites Allahu Akbar et que vous récitez Bismillah Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin wa Iyyaka Na'budu, c'est-à-dire quand vous récitez tout ça, votre cœur est tranquille, vous avez la paix dans le cœur de ce que un homme, un être humain pousse à aller tuer vos prochains qui ne vous ont rien fait du mal. Des innocents, des femmes, des enfants, vous pouvez tuer pour un homme. C'est quelle religion? C'est quel Dieu qui a dit ça? Ça n'existe pas, mes frères. Arrêtez ça. Ne laissez pas la politique nous manipuler. Nous prêchons la paix. Je veux que de tous les côtés, nous parlons de paix. Je veux que de tous les côtés, tu es du RHDP, parle de paix. Tu es du PDCI, parle de paix. Tu es du FPI, parle de paix.
d'un côté que vous dites aux gens, non, parlez de paix, pendant que d'autres sont en train de tuer, pendant que d'autres sont en train de gorger, pendant que d'autres ont le droit de marcher et d'autres ne peuvent pas marcher, pendant que d'autres ne peuvent rien dire, si ils vont en prison, ils meurent, et puis d'autres ont le droit de le faire. Ça, ce n'est pas la paix, c'est la dictature. Donc, je vous recommande, chers musulmans, chers doulas, chers chrétiens du RHDP, donnez des conseils à Alassane Dramane Ouattara. Il met votre vie en danger. Je continue. Je m'adresse aux forces de l'ordre. Forces de l'ordre. Militaires, gendarmes, policiers. D'une manière paisible, je vais vous poser une question. Quand vous avez prêté serment, c'était pour qui? C'est pour le peuple ou c'est pour de l'argent? Pourquoi est-ce que vous prenez de l'argent? Vous êtes arrêté, il y a des microbes avec des machettes qui tuent, qui brûlent, mais vous ne faites rien. Vous êtes des policiers ivoiriens, vous êtes des gendarmes ivoiriens. On nous dit que ceux qui sont en treillis, qui font ça, ce ne sont pas des policiers, ce sont des mercenaires. Mais c'est que ces mercenaires sont venus sur votre territoire. C'est que ces mercenaires sont sur votre territoire. Alors, vous acceptez que des mercenaires viennent sur votre territoire pour faire un sale boulot. Et puis, vous allez payer les pots cassés. Parce que quand les gens voient des gens treillis, ils disent ce sont les policiers, ce sont les militaires, ce sont les gendarmes. Les gens ne font pas la différence entre mercenaires et vous. Donc, il est temps que vous, les vrais policiers et les vrais gendarmes, vous vous mettiez à protéger le peuple. Quand ils ont commencé à tuer à Benoît, à Agboville, je viens d'avoir même une vidéo pour Agboville. Quand ils ont commencé à faire tout ça, c'est vous les policiers, on vous demande d'encadrer les gens. On vous demande juste de les protéger. On vous demande simplement de ne pas laisser les gens aller les tuer. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais il paraît que parmi vous, certains ont tiré sur les manifestants. Et vous avez aussi laissé des microbes découper les gens devant vous. Est-ce que c'est pour cela que vous êtes dans la police? La police est achetée. La gendarmerie est achetée. L'armée est achetée. La télévision est achetée. Tous les médias de la Côte d'Ivoire sont achetés. Même les partis politiques sont même achetés. Bientôt, vous allez voir, Alassane Dramane Ouattara va donner l'argent au PDCI. Il va donner l'argent au FPI de Côte d'Ivoire. Il va donner l'argent à tous ces partis-là. Puis il va dire, laissez-moi encore. Et ils vont fermer leur bouche. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas déjà fait. Je me demande s'ils n'ont pas déjà empoché les milliards et ils font semblant de s'opposer alors qu'ils ne s'opposent pas. Et c'est le peuple seul qui est en train de souffrir. Mais pourquoi vous êtes ainsi? J'interpelle les corps habillés. J'interpelle l'armée. J'interpelle les gendarmes, j'interpelle tous les corps habillés. Il est temps de protéger vraiment le peuple. Parce que vous leur dites ne pas manifester, ils vont continuer à manifester. Vous savez pourquoi ils vont continuer à manifester? Parce qu'ils ne sont pas d'accord pour le troisième mandat, ils ne veulent plus d'Alassane. Donc le problème ce n'est pas le peuple, le problème c'est Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara aimait les Ivoiriens, alors qu'il est venu déjà par la guerre, alors qu'il a déjà eu le sang versé, il a vu le carnage qu'il a eu en Côte d'Ivoire avant qu'il soit président. Si Alassane Ouattara avait une conscience, s'il était un homme de paix, si Alassane Ouattara aimait les Ivoiriens comme Oufoué, Oufoué a dit que ce n'est pas pour le pouvoir qu'il va voir son peuple dans le sang. Donc si Alassane Ouattara aimait son peuple, Alassane Ouattara, avec tout ce qui se passe, allait dire, je préfère laisser tomber ce troisième mandat que de voir ce pays en feu. Ça, c'est le discours d'un homme de paix. C'est le discours d'un homme qui aime son prochain. C'est le discours de quelqu'un, d'un président qui aime son peuple. C'est le discours d'un président qui aime son peuple. Donc, Alassane Ouattara avait déjà dit, même s'il y a des milliers de morts, j'irai jusqu'au bout.
Alassane Ouattara a dit, je rendrai ingouvernable ce pays. Les policiers qui vont tirer, Alassane Ouattara est président, ils vont au nom d'Alassane Ouattara. Les microbes, les policiers ne leur font rien. D'ailleurs, ils chantent à deux puissances. Ils vont au nom d'Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, ceux qui tuent, tuent au nom d'Alassane Ouattara. Ceux qui égorgent, égorgent au nom d'Alassane Ouattara. Et ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils le font pour Alassane Ouattara. C'est ce qui se passe. Mais les opposants, quand ils marchent, on vient les attaquer, on vient les créer des problèmes parce qu'ils n'ont pas le droit de marcher. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je viens d'avoir une vidéo. Voilà. Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais. Regardez. J'étais en train de parler, j'ai même pas fini ma vidéo. Je viens d'avoir une vidéo. On dit, il y a d'autres qui insultent seulement. Hein. Mais bientôt, tu vas comprendre que quelqu'un t'a prévenu. Regardez, il est marqué sur cette vidéo, à Beauville, les jeunes du quartier de Djibo interdisent aux marcheurs de traverser leur... Les abbés ont appelé leurs parents des villages environnants pour aller chasser les djoulas de la ville. La police s'interpose et négocie les abbés pour calmer la situation. Voilà ce que je viens de dire. Voilà ce que je viens de dire. Je redis et je vous montre la vidéo. Interdisent aux marcheurs de traverser leur quartier. Les jeunes de Djoulakro, les djoulas, interdisent les abbés de marcher. Les abbés, à leur tour, ont appelé leurs parents des villages environnants pour aller chasser les djoulas de la ville. Voilà ce qui est à Beauville actuellement. La police s'interpose et négocie avec les abbés pour calmer la situation. Voilà la vidéo. C'est ce qui se passe à Agboville actuellement. La situation est que les gens étaient en train de marcher. Il y a des jeunes qui sont à Djoulabourou. Les jeunes Djoula sont sortis pour interdire à ces gens de marcher. Donc ces personnes, à leur tour, ont appelé tous leurs parents des villages aux environnants pour dire à leurs parents de chasser Agboville. Donc il y a un conflit entre les abbés maintenant et les djoulas, et la police est venue pour intervenir. La police est en train de calmer les abbés pour leur dire de ne pas les chasser. Est-ce que ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure? Quand il y a des jeunes djoulas ici qui sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Parce que, mes frères, excusez-moi, ce n'est pas un jus. Je ne sais pas si c'est parce que vous mangez tout le temps mouton que vous devenez un peu comme le mouton. Essayez de manger autre chose. Quand vous voyez quelqu'un même qui vient parler, vous êtes là en train de l'insulter. Quand vous voyez quelqu'un qui vous protège, vous l'insultez. Je me demande si ce n'est pas les djoulas dans l'ancien temps qui ont vendu leurs frères
Parce que dès qu'on vous donne sardine, dès qu'on vous donne du pain, dès qu'on vous donne nyamakougi, bisap, de l'eau, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Vous ne réfléchissez pas à l'avenir. Les gens même qui vous ont donné à manger, ils vous ont donné un village, une terre, à cause de quelqu'un. Vous êtes là. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que c'est mouton que vous avez mangé toute votre vie là? C'est ça qui vous rend comme des moutons? Pourquoi vous êtes aussi bête et con? Pourquoi vous êtes aussi bête que n'importe qui peut vous manipuler? Il vient avec de l'argent et vous manipule. Aujourd'hui là, regardez, ils ont brûlé quelqu'un. Regardez, ils viennent insulter alors que tu parles d'eux. Regardez. Regardez. Regardez, ils ont attrapé un microbe, ils sont en train de le brûler. Regardez. C'est un être humain, ils sont en train de le brûler. Regardez. Bon, c'est qui brûle qui? Ah? Ce sont des doulas, ce sont des jeunes doulas qui ont attrapé un manifestant qui sont en train de le brûler. Si vous écoutez, c'est doulas que les gens parlent. Vous êtes là, tout ce que vous savez faire, c'est insulter. Maudit, tuer, barbier. Tu es un chien, ton maudit, tu vas mourir. Et puis vous qui insultez ma maman là-haut. Ma maman est morte il y a longtemps. Donc quand tu insultes ma maman, c'est ta maman qui est assise à la maison que tu insultes. Ce n'est pas la mienne. La mienne ne vit plus. Mon papa ne vit pas, ma maman ne vit pas. Donc quand toi tu viens insulter ta maman, celle qui t'a mis au monde. Regardez cette vidéo, elle est horrible mais je vous la montre. Regardez. Écoutez hein. Un manifestant en train d'être brûlé. Il dit c'est pas. Pourquoi tu dis c'est pas en Côte d'Ivoire? Moi je comprends Doula. Il dit on va le griller à Ben Moya. Vous savez, il va cuire ici. Je comprends Doula. C'est des petits Doula qui sont là, c'est en Côte d'Ivoire. Faut pas venir écrire ici pour dire non, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi quand on montre les vraies choses, vous venez mentir? C'est des doulas qui sont autour d'un manifestant en train de le brûler. Et tu dis, non, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. On va le griller à Ben Amoya. Il va cuire ici. Il y a un qui dit Assala Kabao. Il est mort, c'est fini. Assala Kabao. Vous pouvez brûler vos frères. Vous pouvez brûler vos frères. Vous pouvez égorger des gens. Et puis aller à la mosquée. Et puis quand on parle, tout ce que vous avez fait, tu es un menteur. N'incite pas la haine. Tu es un maudit. Mais les gens qu'on tue là-haut, c'est qui parle? C'est qui parle pour des gens? Alassane, tu es méchant. Voilà. Voilà, ce sont des microbes qui sont en train de brûler quelqu'un. On va le griller à Mola,
il est cuit. Il y a d'autres qui disent, il est déjà mort. Et vous, qui laissez des commentaires, vous êtes fiers de voir ça. Même si tu es un Djoula, même si tu es RHDP, c'est quoi qui donne le droit de cette manière? C'est quoi qui donne le droit? À cause d'une manifestation? À cause de ce que des gens disent non? À cause d'Alassane Ouattara lui seul? Mais est-ce que ce que vous faites là, ça ne vous rappelle pas 2002? Est-ce qu'on n'a pas assez souffert en 2002? On n'a pas assez souffert en 2002? Amenez-moi toutes les vidéos et les photos par WhatsApp. Amenez-moi tout. Je vais monter un dossier. Je vais me dépêcher pour monter un dossier. Je vais monter un dossier. Ça ne va pas s'arrêter sur Facebook. Je vais monter un dossier. Un mouvement. La voix des 100 voix. Je vais le monter. Je vais créer. Je monte un dossier. Je prends des avocats français et ivoiriens. Je vais les mettre dans ce mouvement. À partir d'aujourd'hui, ce mouvement est... Je vais adresser ça à la CPI. Je vais adresser ça à l'ONU. Je vais adresser ça à la France, aux États-Unis, partout, dans toutes les ambassades. Je vais partager les photos, les vidéos de tout ce qui est en train de se passer dans mon pays actuellement. Ça ne restera pas caché. Alassane Ouattara, c'est soit la mort ou soit tu vas à la CPI. Et toi, tu ne sortiras jamais de la CPI. Si tu es... Tu ne sortiras pas. Toi et ton gouvernement complet, vous irez payer. C'est horrible. Je n'ai même plus la force même de continuer mon direct. Je n'ai pas mangé même avant de venir faire ce direct. Je n'ai même plus la force de continuer ce direct. Il y a certains qui disent, mais tu as l'argent toi. Tu as l'argent. Mais Sadine, quand tu n'as jamais nourri quelqu'un, quand tu ne sais pas comment il fait pour s'habiller, quand tu regardes la personne, quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui mendie. Quand tu regardes, va fouiller mes photos toute ma vie. Regarde. Donc, là, tu as l'argent, mais c'est à cause de l'argent que vous suivez à la scène pour tuer les gens. Parce que vous, les Djoula, là, la plupart, je ne dis pas tous, hein, parce qu'il y a des bons Djoula. Mais les Djoula ici, là, vous, là, vous gâtez le nom des Djoula. À cause de l'argent, vous pouvez. C'est à cause de l'argent que vous sacrifiez votre enfant. C'est à cause de l'argent. Tu peux tuer ton propre frère, vous les Djoula. Vous partez vous mettre à la mosquée, Allah Wakuba, Allah Wakuba. Quel Allah Wakuba? 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 Je pense que j'ai fini de donner. J'ai fini de donner. My God. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Parce que là, les images sont trop. Les images sont trop. C'est bon. Les images sont trop. J'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Les images sont trop. C'est trop. Je vais mettre l'hymne national. Et je vais lancer un dernier message. Aux Ivoiriens, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle ville, je vous relance encore un message. Si vous voyez un village en danger, que tous les villages et les villes aux alentours aillent les aider. Ivoiriens, c'est le moment de vous unir. Villes et vos villages qui sont menacés, mettez des barrières. Mettez des corridors à l'entrée de vos villes. Mettez des jeunes pour faire la sécurité. Celui qui va rentrer, il faut que vous sachiez qu'il doit rentrer.
fouillez les gens qui rentrent. Celui qui a machette, vous arrachez sa machette, vous l'attachez quelque part. Protégez vos villes. Protégez vos villes. Vous avez tout. Vous avez des jeunes costauds dans les villages. Ces jeunes-là n'ont qu'à se lever. Protégez-vous. Fabriquez-vous vos propres armes. Pas pour aller tuer les gens, mais légitime défense. Si vous ne vous protégez pas, vous ne vous défendez pas, les gens vous prennent et ils vont vous exterminer. Protégez vos villes, protégez vos villages, c'est chez vous. Personne n'a le droit d'aller vous tuer chez vous. Mettez des barrières. Même s'il y a un cargo de police qui vient, il faut que ces policiers vous disent pourquoi ils viennent. C'est chez vous. N'ayez pas pitié d'eux. N'ayez pas pitié d'eux. Parce que si vous ne réagissez pas, ils diront que vous êtes des lâches et des peureux. Ils continueront à vous tuer. Donc, soyez solidaires dans vos villages. Soyez solidaires dans vos villages. Soyez solidaires partout où vous êtes, dans vos villages. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je ne réponds pas aux appels. Celui qui veut me laisse un message. Si j'ai envie, je le réponds. Je ne prends pas d'appel pendant mes directs. J'étais en train de faire un direct. Quelqu'un a appelé. Je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un de Beaunois qui avait un souci, qui voulait expliquer. C'est une femme qui m'a mis hors de moi-même. Donc, je ne prends pas d'appel dans mes directs. Celui qui veut, il n'a qu'à me laisser un message. Tu me laisses message. Si j'ai écouté ton message que je vais t'appeler, je t'appelle. Mais ne m'appelez pas directement, je ne vous décroche pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tu vois rien de rester soudé. Tu vois une ville en danger, tu es à côté, ça ne te concerne pas. Va protéger tes frères, va les aider. Les villages, soyez soudés. Les villes, côte à côte, soyez soudés. Faites une communauté. Que vos jeunes deviennent vos propres armées. Ne comptez pas sur la police. Ne comptez pas sur les militaires, ne comptez pas sur le gouvernement, ne comptez pas sur la France. Il n'y a que vous-même pour vous défendre aujourd'hui. Protégez-vous, ne restez pas là les bras croisés. Machette là, vous-même vous savez où on achète. Je vous dis la vérité, hein, au point où je suis arrivé, c'est à la guerre ou à la guerre. C'est comme on est en train de tuer ma famille, je ne vais pas rester là pour regarder. Les bras croisés, les jeunes des villes et des villages, mettez des barrières dans vos villes. Fermez les portes, les entrées de vos villes. Personne ne doit rentrer n'importe comment chez vous. Protégez vos familles. La nuit, ne dormez pas. Et faites les gardes. Faites les gardes la nuit. Il faut qu'il y ait des gardes. Il faut qu'il y ait des tournées de gardes. Les femmes sont quelque part. Les enfants sont protégés avec les femmes. Les jeunes forts du village. Levez-vous, protégez vos villages et vos parents, protégez vos villes, ne laissez pas les gens vous entretuer. Si vous attendez que le gouvernement fasse quelque chose pour vous, il ne fera pas. Vous attendez que la France intervienne, elle n'interviendra pas. Vous attendez l'ONU, il n'interviendra pas. Vous attendez qui que ce soit, personne n'interviendra. C'est vous-même qui pouvez vous protéger. Protégez vos parents, protégez vos villes, vous. Et protéger. On ne vous dit pas de sortir avec des machettes. On ne vous dit pas d'aller attaquer les gens en ville. Mais chez vous là, c'est chez vous. Vous tuez chez vous. C'est chez vous. C'est violation à domicile. Donc, bloquez les portes. Restez chez vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Quelqu'un qui rentre chez vous, il faut qu'il vous rende le compte. Il est venu pour la paix ou il est venu pour vous tuer. C'est ce que vous devez savoir. Ne laissez plus personne rentrer chez vous pour vous tuer. C'est vous-même qui pouvez vous protéger. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, et que Dieu ramène à se tomber pour toujours Alassane Dramane Ouattara. Qu'Alassane Ouattara, avant sa mort, il pleure, qu'il voit tout le sang des gens qu'il a tués se défiler devant lui. Depuis 2002, jusqu'à même tout ce qu'il a fait. Qu'Alassane Ouattara, que Dieu le frappe, qu'il aille dans le monde des morts,
aller retrouver tous ceux qu'il a tués en Côte d'Ivoire pour qu'eux aussi lui rendent son compte. Dieu merci. Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je bloque un mouton.